Yo tout le monde, c'est Fusing Ghost. Aujourd'hui on se retrouve pour le setup de ma chambre. Donc qu'est-ce que le setup de ma chambre? C'est donc une vidéo où je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai comme matériel pour faire mes vidéos et vous présenter au passage justement où je joue. Donc là on est bel et bien dans ma chambre. Donc j'ai pas mal de petits panneaux, bon là c'est pas intéressant. Donc là il y a la boîte de mon bit, ça c'est mes lentilles parce que oui, j'ai des lentilles maintenant. Donc ma chambre, tout simplement, autofocus, voilà. Là, voilà. Donc je vais tout d'abord passer côté PC parce que je suis quand même assez bien équipé je pense. Donc on va commencer donc par mon micro pour faire mes vidéos. Donc j'ai déjà fait en principe une vidéo dessus hein. Mais pour ceux que ça intéresserait, j'en refais une, enfin j'en reparle. Donc ce micro est le Ona Mic 900B, vous pouvez le trouver à 55€ sur Amazon. C'est un très très bon micro, mais il faut absolument utiliser Audacity et non pas Fraps parce qu'il enregistre pas hyper fort. Donc voilà, c'est un petit truc qu'il faut préciser tout de même. Là, ma souris dont j'ai fait un unboxing, donc qui est la Cyborg MMO7 pour ceux qui veulent voir. Attendez, non, ça se met pas autofocus. Et donc que j'ai voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, c'est voilà ma souris gaming, très très bonne souris que vous pouvez trouver au prix de 110€. Donc oui, je dirais tous les prix à peu près, tout simplement parce que au cas où si vous voulez vous équiper. Ensuite le clavier, j'ai pas le meilleur de la planète, mais il est suffisant. Donc c'est le Cyborg V5 que vous pouvez payer 50€. Un peu partout. Il est un petit peu partout, donc c'est un rétro éclairé que bien sûr je peux éteindre hein. Mais bon, moi je préfère allumer, je trouve ça fait un petit peu classe. Alors là un tapis de souris style série, bon ça 5€. Donc ensuite j'ai deux sortes de haut-parleurs, une basse en haut, une basse en bas. Donc je vais passer par ceux-là. Donc là c'est du 2.1, donc ils sont tous les deux branchés sur mon PC pour un son un petit peu plus puissant. Donc ça c'est des Philips, j'ai plus la référence, à peu près ils font du 100 watts à peu près, avec la base bien entendu. Donc là le bit, hein, faut pas faire gaffe, c'est moi qui ai collé l'autocollant. Donc vous pouvez les trouver à peu près au prix de 100€ à peu près, et c'est vraiment du très très bon matériel. Vous entendrez très bien. Et après par exemple moi quand je regarde pas des vidéos, quand j'écoute pas de musique, putain, de poussière, je mets ces haut-parleurs là, donc c'est des Essentiel B, les Titans 2.1, que vous pouvez trouver au prix de 40€ et qui sont à peu près qui font 40 watts et qui sont vraiment vraiment sympas. Donc voilà un peu pour le coin PC, attendez, je vais parler un peu du PC. Donc bon, un écran, j'ai rien de spécial, j'ai un Essentiel B, 21,5 pouces, qui coûte 120€. Voilà. Il se branche en DVI VGA. Voilà. Donc, après, ah oui, ma webcam, j'avais pas parlé. Donc, ça, c'est une Microsoft Live Cam. Je sais pas comment la référence. Ça fait pas l'autofocus. C'est une caméra HD 720p. Enfin, c'est une webcam HD 720p que j'utilise pour mes facecam. Ou alors parfois j'utilise mon iPod, mais là vu que je suis en train de filmer avec mon iPod, voilà. Donc que vous pouvez trouver au prix de 30€ à peu près. Donc maintenant mon PC. On va s'asseoir. Donc c'est un Packard Bell, comme vous pouvez le voir. Donc il y a Intel Core i5, Windows 7, et j'ai une carte graphique AMD, donc attendez. Alors c'est Windows 7 Home Premium 64 bits, un Intel Core i5 2320. Voilà, carte graphique AMD Radeon HD 7350 1024 mégabits, un 1 terabit de hard driver, donc d'espace disque dur quoi, 4Go de RAM, bon ça moi j'en ai, enfin j'ai mis des clés USB pour que ça booste un peu. Bon après DVD super multi machin, bref ça on s'en fout. Donc voilà pour mon PC. Ensuite on va passer maintenant à cet endroit là. Donc, où je joue tout simplement à Call of, enfin, ma console, quoi. Donc, attendez, autofocus. Donc, ma télé, c'est une Acer 82 cm, donc je sais pas exactement les références. C'est une HD, enfin, c'est pas la meilleure qualité, hein. C'est une LCD HD, dans le genre. Tant que c'est en HD, moi, je m'en fous complètement. Voilà, donc ma manette filaire sans fil en même temps.
mon micro pour parler sur Xbox. Donc c'est un sans fil d'ailleurs, ils sont en train de recharger là. Donc bah tout simplement ma Xbox 360 Slim. Et là comme vous pouvez le voir, attendez on voit pas très bien mais bon c'est pas grave. Mon Avermedia Game Capture HD. Donc c'est là le C281 que vous pouvez trouver au prix de 120€ sur Amazon aussi. Donc il se branche en UV. Donc le UV c'est ces trois câbles, enfin c'est ces câbles là. C'est du 1080i et non pas du 1080p. Donc c'est pas la meilleure qualité mais c'est du HD donc ouais ça passe. Après tout ce qui est donc l'Avermedia et commande hein. Donc pour l'Avermedia donc j'ai un disque dur hein, un Tenso de 320 Go. Bon après mes jeux j'en ai très très peu mais là je les ai pas tous. Donc à la base j'ai Far Cry 3 mais que j'ai prêté, Black Ops 2, Forza Horizon et BF3. Oui j'ai vraiment très peu de jeux sur Xbox, sachant que je les ai vendus en fait certains. J'en ai vendu pas mal. Yep. Donc mon casque, je sais pas où il est, mon FRUQ5, le cyborg, mais comme je ne l'utilise plus, ben je le ferai pas apparaître dans cette vidéo. Donc là vous pouvez voir un peu mes goodies, donc là Little Big Planet. Là c'est Vas, donc de Far Cry 3 édition. Mon Beats qui est à l'intérieur, donc là j'ai déjà fait un unboxing. Ça que vous avez pu voir au début de la vidéo, donc c'est Assassin's Creed 3, hein, comme ça peut se remarquer. Mon téléphone, pour ceux qui veulent savoir, donc c'est... Oui, j'ai une photo de bouffe. Donc c'est un Samsung Wave 3 avec le petit iPod Shuffle quand je vais faire du sport. Et puis je crois que j'ai à peu près tout dit. Peut-être que je vous parle un peu de ce que j'ai sur mon PC. Donc là c'est Cubeboard, attendez, hop, on s'en fout. Hop, exit. Donc attendez, je vais peut-être vous parler un peu de tout ce qu'il y a sur Steam. Hop, 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 ça c'est... je vais essayer de... Autofocus. Voilà, donc vous pouvez lire vous-même, vous pouvez mettre pause si vous voulez, mais j'ai pas mal de jeux. Donc je vais vous laisser vous amuser à lire tout ça, mais vous ferez pause pour voir ça. Voilà, donc ben, j'espère que je vous ai bien montré, on va dire, un peu tout ce qui est... gaming dans ma chambre hein, parce qu'elle est un peu remplie de ça. Je sais que c'est pas très bon tout au niveau des ondes mais comme j'éteins à peu près tout ou parfois ben, quand je fais mes uploads je laisse tourner mon PC la nuit mais bon c'est pas bien grave. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et moi je vous dis ciao à la prochaine, bye.